venir avec dernier on dit bilan et partiel hein, bilan partiel autorité yo nan niveau protection civile pour hier après-midi lundi qui même c'était exactement 15 d'août 2021 j'en dédié là bilan partiel passage tremblement de terre ça qui est secoué pays hein. Nous pral venir avec à côté bilan li même li bail jusqu'à présent là 1287 moun qui perdit la vie yo, et 1054 dans sud, 119 dans grand dans, 122 dans nip, 2 dans nord-ouest, 5700 blessés d'après un dit bilan partiel que autorité protection civile yo a présenté pour hier et dimanche à l'après-midi. Il y a un chiffre qui capable grossir à n'importe quel moment j'en dédié parce que gen pile l'autre moun qui gen pile côté beaucoup fine déblayé pour garder est-ce que pa gen moun en bas à des combien j'en nous-mêmes nous connaissons déjà. On nous garde ça nous entendre directeur protection civile qui c'est docteur Jerry Chandler et tout de suite après elle c'est pral premier ministre payant qui c'est docteur Ariel Henry. Mais avant un côté Jerry Chandler qui pourra apporter toute dernière précision détail sur quantité monde qui mourit blessé et puis monde qui sinistré. Un côté docteur Jerry Chandler dans micro Radio Mega. À tout le monde qui n'a tout les amis la presse qui est avec nous là pour nous capables de faire point ça et information mise à jour que nous gagnons dimanche 15 août 6h du soir nous gagnons un bilan qui alourdit encore là nous dénombrons 1297 morts au total de 1054 morts dans le sud 119 dans la grandance 122 dans les NIP et deux dans le nord-ouest. Dans le moment où on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés et dans différents départements que je suis cité là. Il y a un total de 13694 cas qui sont affectés. Entre eux, on a fait des comptes pour nous connaître qui est là d'ailleurs qui détruit et qui est là d'ailleurs qui endommagé. Et ce qui fait que nous, au total, nous avons à peu près 30 000 familles qui sont affectées dans tous les trois et dans tous les quatre départements ça que je suis cité là. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Nous avons un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, gens que nous capables avec moyens que nous gagnons, porter aide et avec support à la population qui est affectée. Il y a un point qui est important avant que nous continuions par rapport à l'action, j'en dis, qui entreprennent dans le cadre et réponse à tremblement de terre là. Le point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, pays en vigilance jaune. Vigilance jaune, là, c'est par rapport à situation météorologique là, genre que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa, et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a là, rétrogradé en dépression tropicale, a menacé pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous île Porto Rico, li dans la mer et li pral arriver sous et territoire République Dominicaine. Donc nous même en Haïti, nous capable probablement et sous influence senti effet probablement demain pendant journée demain lundi hein, et dans certains côtés yo attendre que nous capable gagner gros l'appui, gros coup de vent et gagner des côtés même que justement nous capable gagner une accumulation de l'appui qui en 75 à 100 mm de l'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau ça saturation sol là a privé, ça veut dire que terre a pas gain côté pour prendre l'eau encore, de l'eau après le couler et li capable faire que rivière vienne en couille et li capable poser tout l'autre danger que nous connaît qui qu'on associé avec situation ça quand coup déboulonnement de terre quand coup et glissement de terrain tout le monde a été que nous le glissement de terrain quand coup justement inondation éclair et tout l'autre danger qui qu'a présenté. Donc n'a demandé tout le monde rester vigilant, n'a continuer faire monitoring avec une unité hydrométéorologie UHM qui c'est autorité dans question météo dans pays a et continuer faire monitoring et transmettre information sous évolution dépression tropicale Grace qui lui-même capable j'en dit à l'heure là atteindre côte pays d'Haïti atteindre pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre là, nous connaît que nous t'ayons l'arrivé le samedi matin, mais depuis lors nous enregistré plusieurs ça les secousses et qui viennent faites par la suite et secousses ça et yo varié qui allait à des magnitudes de 4.5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent et dans ce sens ça n'a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action de réponse nous capable et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'a fait là nous remplit le travail que nous fait dans niveau centre opération d'urgence nationale là sous l'aide
Premier ministre, avec présence toute ministre, toute agence qui travaille avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans cette opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyen nous gagnons, pour nous voir comment tout nous avons utilisé moyen de manière efficace, en façon pour nous capables le plus vite possible porter aide avec support by frère nous nationaux qui en danger, qui en difficulté dans le département et grand sud pays. Donc là déjà nous capables de dire que jeudi nous réussi fait convoi humanitaire yo dérapé, yo passé par route nationale numéro 2A et nous gagnons des convois qui arrivaient déjà dans ville locale, nous capable citer nous-même en Faes qui arrivait justement et dans ville locale, nous gagnons des autres convois humanitaires de protection civile avec partenaires yo qui yo même tout arrivé. Donc là qu'on a lancé entité que nous gagnons qui localement qui là yo qui pral prend charge pour être capable justement coordonner distribution aide-là et justement assistance à la population qui est pour faire. Faut noter tout que un gros travail qui a fait tout dans le secteur santé dans Sanrelé et dans Sanrelé les clusters santé parce que gagne tout un travail qui un gros impact qui fait sur secteur ça, gagne l'hôpital qui était atteint, gagne l'hôpital qui côté qui gagne en pile afflux victime, mais entre-temps faut nous dire que en dans secteur ça, tout acteur yo mette tête ensemble dans le département pour être capable fournir appui et organiser pour que patients qui plus grave yo réussi faire des évacuations, grand pile évacuation qui fait pendant journée aujourd'hui, on a un bilan chiffré de justement de nombre d'évacuations ça yo, gagne tout matériel médical qui que nous voyons aller justement dans les zones qui affectent eux et surtout personnel médical qui justement après aller en renfort avec justement zones qui affectent eux. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent l'opération difficile et qui banon certains retards. Par exemple, à cause de réplique, il y a des routes qui étaient bloquées. Donc là, il y a un grand pile de travail qui fait pour débloquer les routes, donc pour permettre nous et permettre l'équipe à faire sauvetage arriver sur place. Donc nous demandons à tout le monde que pour continuer qu'un BFM patient, nous-mêmes nous continuons de travailler tout d'arrache-pied pour nous capables de faire et aide l'arrivée, pour nous capables de faire secours arriver et pour travail de opération de réponse capable de faire. Pour finir, m'voulais attirer attention tout et voyons un gros coup de chapeau à tous les partenaires nous et étrangers qui ont même venu spontanément venir offrir aide, venir offrir support yo, et n'a parlé de plusieurs gouvernements, plusieurs grandes agences qui ont même venu et ont gagné des équipes qui ont déplacé qui portaient aide là. La protection civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide la parité justement pour nous rapidement nous capables de faire ça qui est pour faire et j'aime de titre là venir en support à frère nous à nous qui n'a difficulté. Donc pour le moment c'est la point ça que nous y est, ok, dans évolution et n'a qu'à dire réponse et par rapport à tremblement de terre là m'a le passé qu'on a by Paul qui et voilà, ça c'est directeur de protection civile là, Jerry Chandler qui lui-même qui tape présenté Sandrelé et bilan partiel protection civile sous passage tremblement de terre ça qui ça c'est fait gros dégâts dans grand sud pays. Nous allons aller rapidement avec déclaration premier ministre Yan, qui c'est docteur Ariel Henry, les mêmes tout qui était présent dans le cadre d'après de près ça que eux-mêmes comme autorité au tabac sur quantité et dégâts qui est passé là passage très loin de ça les mêmes fait samedi qui était 14 août 2021 en grand sud pays. Maintenant écoutez premier ministre Yan, qui c'est docteur Ariel Henry. Jodian gen quelques ministres avec membre cabinet mio qui était ici dans pour coordonner effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre effet tremblement de terre. Moi-même avec plusieurs autres ministres nous t'est allé dans le sud. Les nous dans le sud, nous constater des dégâts. Nous constater en pile caille qui tombait. Nous constater même des efforts qui a fait pour retirer moun en bas des combres et gagne bagaille nous observer et que nous t'avle partager avec nous. Une bagaille que nous observer c'est tout d'abord c'est dignité moun yo. Dans la peine, dans la souffrance, moun yo était très digne. Moun yo était triste mais digne. Une autre bagaille que moi-même que m'observer sur le terrain, c'est que moun yo affecté, mais gon grande résilience, moun yo a goumen pour sorti. Et m'a raconté nos deux histoires. M'rivé nous camper, n'a regardé un caï qui aplati tout.
li aplati et noue propriété kailan yo deyo yo très triste et dame qui des propriété kailan interpellé moi li parler avec moi li dit m'tendez non premier ministre nous perdu toute bagaille toute bagaille nous connaît que l'état pauvre c'est aussi mais son seul bail demandé retirer des blés retirer mu bloc qui souterrain pour nous capable recommencer ça montrait que malgré dans la peine et dans la tristesse li pas mandé pour fait pour lui non li mandé pour recommencer à vivre pour reconstruire ville lui-même deuxième histoire à raconter c'est une dame son dame de plus de 70 ans il était à côté de la caille tombée il y a monde qui mourit dans caille et dame 70 ans ça li chita avec un petit commerce un parcours petit commerce dans gain pour 500 goud et c'est là li chita la vendre parce que la vie doit continuer mesdames messieurs moi même de tout ça moi moya m'a rappelé non bagay haïtien vle vivre on met tête nous ensemble dans l'unité pour nous reconstruire pays ça on fait solidarité l'un avec l'autre merci nous parler sous question bilan partiel mais on tape d'intervention pour le ministre qui en sud pays après tremblement de terre ça qui passé un week-end et puis précisément samedi 14 d'août dans bilan partiel sous monde qui victime dans ville Okaï selon responsable protection civile dans département sud la Sylvia Guillaume 700 monde mouri après passage tremblement de terre 14 d'août 2021 1500 monde blessé 15000 endommagé 1500 détruits dans un bilan partiel li bay ayer à dimanche 15 d'août là selon responsable protection civile dans département sud payan Sylvia Guillaume commune qui puisse toucher au Sekai ensemble avec Kai Campéré ak Maniche un côté intervention Sylvia Guillaume moi profiter l'occasion de la presse parler écrit télévisé en ligne dans le cadre passage séisme 14 août 2021 et pour le en attendant c'est bilan très partiel parce que nous avons une équipe qui déploie sur terrain pour faire évaluation rapide malheureusement pas pour venir là au final on va collecter données comme ça on apporte un bilan toujours encore partiel mais qui a plus près et vérité et dans ce sens nous avons environ 700 morts qui signalés parmi lesquels Campé un peu Paul Gendesson, Mani 53, et les Anglais gagnent 14, nous cavaillons 10, il y a 22, ça veut dire en gros tout département est touché. Mais il y a trois communes qui sont moins touchées, c'est Ilavache, c'est pour saluer avec Tibur. Et en termes de blessés, nous avons environ 1500 blessés depuis hier qui est recensé. Nous n'avons pas l'autre, mais nous avons une équipe qui est déployée calé dans. Dans la commune juste pour collecter information sur les blessés. Nous avons environ 15 000 déjà maisons qui sont affectées, parmi lesquelles il y a 10 000 qui ont endommagé sévèrement, il y a 1 500 qui détruites. Et nous avons environ 3 000 endommagés très légèrement. Et en matière de logement, nous avons un caillou qui détruit, endommagé. Nous avons mort, nous avons blessé. Ensuite, mais c'est une situation extrêmement difficile parce que toutes structures sanitaires saturées ont déficit en matière de personnel de santé. En matière d'intrants, sanitaires, mais il y a des démarches qui sont faites pour que au moins nous soyons capables de gagner un ensemble de matériel intrants sanitaires qui viennent pour appuyer le ministère de la Santé publique en dynamique pour prendre en charge la majorité des victimes. Et ensuite, en matière de besoin vraiment énorme parce que il y a un point de rassemblement dans tout département côté monde pas rentrer dans la caille c'est dans les lacs pour au cas c'est le terrain gabion le caille père obla etc c'est tout du monde on dynamique à faire avec toute institution pour regarder tant pour mobiliser avec bâche pour être capable mettre mon bien que PM dans ce de la nuit pas fait compte mais quand même nous pas capable de dans la rue dans le point de rassemblement on a regardé comment on va organiser point de rassemblement et il y a des problèmes de l'eau parce que nous connaissons les tremblements d'été tout de l'eau et polluer, ça fait que avec Waterfall, avec Dinepa, avec de l'autre partenaire,
n'a gagné et garder comment on a distribué l'eau et installer une usine de traitement d'eau. Éventuellement, selon sa préconisation de là pour permettre que la population capable de caler une eau pour l'utiliser. Et en matière, nous avons des problèmes qui sont liés à la question brancard. Parce que normalement, à niveau 5 communal, pour rendre, selon ça, on nous dit, parce que tout cas écrasé, car il y a des gens qui ont coupé, qu'ils n'ont pas quand même descendre pour rapidement avec eux. Ça veut dire une situation extrêmement difficile que nous avons dans la question ça. Voilà, nous avons toujours été dans le grand sud de pays à Pondibiaokai avec différentes déclarations sérieuses, mais tout chiffre qu'il y a là, c'est des chiffres provisoires parce que les étaient encore avec autorités locales et puis autorités dans au niveau de l'État pour capable encore bousquer des mondes ou bien garder est-ce que gagner des survivants en bas Kaïsiaio qui y ont même tombé et dans le tremblement de passage qui peut être le 14 août 2021. 6 heures. Une délégation qui gagne en tête l'IPM nan a capable l'autre ministre qui était visité le département sud paysan après tremblement de terre qui s'est passé samedi 14 août qui était passé dans Genève ça qui délégué départemental sud paysan qui c'est Serge Chéri qui lui même parlé là fait qu'on est visite ça rentrer dans cadre pour yo capable porter une réponse by victime yo et ville Okaï seulement selon délégué a qui t'a baillon chiffre partiel sur question quantité monde qui yo même perdu la vie yo li parlé de 530 monde qui mourit, j'en dis. Bien, c'est un chiffre partiel. Mais en côté délégué départemental sud-paysan, Serge Chéri, qui encore capable de parler de visite PM, Ariel Henry. Dynamico collaborateur, nous, Jovanel Soliman. Merci. Vous regardez qui j'aime capable de porter une réponse à la situation qui se passe là. L'autre réponse dans qui sens? Bon, réponse, il faut que le problème de logement posé pour mon nom, mon gamin a souffert de problèmes d'eau, souffert de problèmes de nourriture, de problèmes médicaux. Ça veut dire que c'est des réponses urgentes que nous avons besoin de porter pour que les gens qui sont en battant ou bien les gens qui ont des abris peut-être de fortune, pour nous capables de porter des réponses, pour nous capables de manger, pour nous capables de l'eau. Et tout, nous parlons avec le Premier ministre. Pour nous garder notre problème de construction, qui est nous capables d'aider tout. Ok, ministre, de bilan, qui ça ministre, qui est objectif visite ministre. Bon, visiter le Premier ministre, ce n'est pas le Premier ministre qui est là seulement, c'est tout gouvernement net qui est là. Et éducation là, et santé là, ministère de l'État public là, et parce qu'on est chaque secteur ça a eu. Et au niveau département, nous touchons. Dans l'éducation, nous avons des écoles qui vraiment est affectée. Et peut-être dans l'hôpital, on a besoin de pile d'aide médicale parce que les médecins nous rien là pas suffisant. Et il y a des médecins que la bouée là pour nous, pour nous capables de garder, qui gens nous capables de renforcer structure localement pour que nous capoter des réponses, j'aime ça dire qu'on fera des réponses qui sont nécessaires. Bilan, maintenant petit bilan. Bon, bilan, jusqu'à présent, le bilan est assez lourd parce que nous avons peut-être pour Vilo seulement là, nous prenons à 530 personnes qui mourent. 500 530 pour ville là seulement. Et d'après la protection civile. Et dans Chardonnière, matin de la 53. Et bilan, c'est un bilan partiel. Nous ne pouvons pas faire un point de presse, nous ne pouvons pas tout. Parce que les gens qui sont dans différentes communes, dans départements, dans différentes communes, nous venons avec vrais chiffres pour nous. Parce que les gens ont retiré en bas des comptes jusqu'à présent. Nous avons parlé de réponse, mais réponse à nous 15 aujourd'hui à qui est la population qui a besoin. Qu'est-ce que réponse à ça? Réponse à c'est chaque jour. Par exemple, réponse, retirer les gens en bas des comptes, c'est une réponse. C'est une réponse. Mais on connaît que nous ne pas préparés pour. Tout parle de capacité, non, pas de capacité en termes de bah, réponse par rapport à ce qui passe. Bon, capacité, on connaît, c'est mon bail que nous disposons pour lui. Par exemple, coup de protection civile, dépôt nous pas alimenter. Et nous, c'est des partenaires nous, qui a aidé nous. Par exemple, nous avons un problème de tente. Par exemple, nous pas assez de tente. Nous avons besoin de près de 30 000 tentes au niveau département là. Et c'est des démarches n'a pas pour nous capables de tête là parce que la réponse là, il a supposé approximatif de besoin, mais étant donné que ce bail qui passait bruit sous coup, et ça veut dire là, la réponse là pour moi, l'outil peut-être délicat. Merci. Okay.
Voilà, c'était avec nous là, le délégué départemental sud-payant qui c'est Serge Chéry qui t'a parlé avec la presse bien après passage à tremblement des terres qui s'écroule payant samedi 14 d'août, monsieur tout grand sud-land. Et bien côté l'étape vraiment parlé de visite des gouvernements fait qui dégaine tête le premier ministre docteur Ariel Henry et puis l'autre membre dans gouvernement côté yoté rapidement ragno dans sud-payant pour aller constater des gaillots. Et bien délégué départemental la sud-pays à Serge Chéry qui en commandait avec autorité concernée pour capable accompagner les victimes. Tremblement de terre 14 d'août, surtout dans le sud-pays. Nous avons tombé la cougna dans la ville, dans le département du pays, avec collaborateur nous Henri-Claude Clercin, mais qui est prêt à le venir tout à l'heure en détail avec Chifio sous quantité de monde des communes qui puissent toucher pendant le passage tremblement de terre si là. Mais en attendant, Bamba nous suivons ça au provisoirement, mais en grosso modo, et que c'est leur responsable de la direction de protection civile, Nipal, Yodris, Sissandrilé, yon bilan, et provisoire, pendant passage, CIS 14, qui se fait dans là, sous département des paysans, côté au fait qu'on ait gagné 122 moun qui est mouru, 704 moun blessés, 5360 maisons endommagées, bien détruites, 165 maisons endommagées, et puis, qui la cause 6341 familles qui eux-mêmes sinistrées qui n'ont gros besoin dans le moment n'a pas les à là c'est ça et comme donner un grosso modo qu'une beauté banon. Là, nous allons regarder tout avec Jean Vanel Soliman, en même temps avec Henri-Claude Clercin pour une baille capable de porter toute dernière information avec Auditoire Radio Méga. Oui, Jean Vanel Soliman qui, Jean, nous t'a baille information, t'a dit nous combien moun qui victime, si bilan partiel, nous, après appeler ces 700 moun qui mouri, qui responsable au CAI des j'ai enregistré après passage sur le qui fait pendant week-end 1500 monde blessé 15000 cas endommagé 1500 détruits dans au bilan partiel responsable en protection civile dans département sud de nous faire référence ensemble avec Sylvia Guillaume qui c'est responsable à protection civile dans département sud PIA côté tremblement de terre ça qui fait en pile victime nous prend direction Okaï pendant nous parler et de Okaï nous prêter avec Jean Vanel Soliman. Nous parlons qu'on est comment ça y est pour matin, hein? Puisque depuis hier, pour matin, la capable d'évolution et qui disposition qui apprend tout bon côté autorité concernée pour capable accompagner moun qui sinistre yo. Bonjour Jean Vanel Soliman, comment vous avez levé pour matin? Bonjour Jean-Wilner Sever, bonjour à Peterson Blaise également, bonjour à Marcel Joseph, lui-même capable d'assurer manœuvre technique, yo, et nous saluons tous les techniciens tout cap qui à l'échelle internationale là, cap qui participent et présent pour capable porter permettre que auditeurs du plus Radio Méga yo même yo joignent nouvelle méga puis bien chaque jour. Effectivement, faut que nous dit et Jacques nous te connaît et tremblement de terre ça qui passait et 14 août et 2021, faut que nous dit tout, c'est 14 août, nous connaissons qui date, son date historique dans l'histoire du pays d'Haïti. C'était une cérémonie bois caïman et c'est fait dans date ça, et bien, et tremblement de terre ça, lui-même, lui passé et dans la ville Okaï, et côté que Jean-Claude nous a déjà dit, et bien, lui portait la vie plusieurs citoyens, compatriotes et sudistes, et bien, aller. Mais faut que nous disions, et jusqu'à présent, n'a pas l'eau là, tout le monde, c'est dans la rue, y'a eu, qu'il n'y a là, pas de monde qui était en Dakar, tout le monde est obligé de rester dans la rue, et faut que nous disions tout, et tremblement de terre, ça, et comparativement, agence a été passé dans l'année et 2018, et bien, faut que nous disions, Kai, vous êtes, nous sommes capables de dire, c'est Kai béton seulement qui était tombé, et bien, faut que nous disions, et bien, tremblement de terre, ça, bien pas gen kay qui épargné surtout dans section communale yo gen en pile kay et qui tombé dit que c'est tout même dans section communale yo tout monde obligé c'est à la belle étoile yo prend et yo passé nuit
limite. Et surtout, nous connaissons nous même tout qui pas préparé pour question un tremblement de terre là. Et il faut que nous disons tout gagner plusieurs citoyens tout qui dénoncent et comportement l'État lui-même n'y gagne, puisque il n'y a pas jamais fait effort pour être capable de former un citoyen. Et il faut que nous disons en plus l'autre citoyen tout qui avance pour dire que je dis à la gagne possibilité pour que l'État lui-même lui continue, lui fait pour le former citoyen, parce que nous te conjoint tremblement de terre chaque instant, et eh bien qu'on y a là nous avons venu et dans 10-11 ans, et eh bien il m'a pour que l'État lui-même lui fait plus effort pour capable former mounio et là surtout dans la question construction pour nous capable de gagner des constructions, puisque Haïti c'est pas seulement pays qui gagnait côté tremblement de terre lui-même lui passé, et eh bien il faut que gagne éducation qui fait dans ce sens pour capable permettre que citoyen yo même yo compte qui gens pour yo construire. Et faut qu'on dit plus gros problème qui existait en la ville là, c'est question de l'eau, parce que yo pété et puis tout de l'eau yo vient changer tout et pas qu'il y ait de l'eau pour mon boire en dans département. Et faut qu'on dit non seulement en dans département en dans ville au calme, faut qu'on dit qu'on commune maniche tout et de l'eau maniche yo même yo tout rouge. C'est l'autre citoyen qui t'ai parlé avec nous, yo dit yo en pile difficulté pour joindre l'eau pour boire. Et nous n'avons pas oublié tout le monde qui est dans la zone Torbeck qui était relé nous en pile pour dire nous qui est dans cette situation qui eux-mêmes ils ont retrouvé et ils ont demandé appel au secours pour que l'État capable de venir bah une réponse que délégué départemental là lui-même il a parlé là, et bien faut qu'il soit capable de une réponse, ça c'est lequel ils ont permettre que et bien eux-mêmes ils ont une série d'assistance qui dans moment qui plus besoin pour eux. Oui, tant qu'aux médicaments, il y a besoin de ça, il y a besoin de l'eau, c'est des, il y a un dit, éléments là, il y a besoin en urgence, là, surtout pour le monde qui s'est inistré, il y a un envie local. Non, non, grâce au pays, on dit précisément. Là-bas, tu bagarres, oui? Oui, oui, il faut que nous disions tout, et gagner ancien sénateur Lénine Richard Hervé Foucault, lui-même tout qui te mettait à disposition et citoyens qui blessés, c'est-à-dire qui plus grave, et avion li pour être capable de transporter et monde qui est victime, surtout monde qui plus grave, t'es capable d'aller pour tout point, ce côté que l'État dit, et c'est pas méditer que l'autre compagnie d'avion qui te permette que les mêmes l'ités gagnent jeune. Qui t'a aidé pour être capable de transporter le monde à aller à Port-au-Prince, mais il faut que dit c'est avion par là qui était capable de prendre le monde au coucher. Et il faut que nous disions, Hervé Foucault, lui-même là, qui était mettait avion là à disposition, et le monde qui blessé, on pensait que son geste est louable, nous sommes obligés de souligner ça, blesse. Oui, c'est bon. C'est vraiment important parce que dans le moment, c'est Jean, et c'est un mot ça, t'es très paraître, c'est question de solidarité que un pile monde a porté avec, victime, passage, tremblement de terre 14 d'août, là, dans grâce du pays, à Okaï, Gradas, avec, ni payant. Bon, moi, de ça, tout, Javanel Soliman, pendant bilan partiel, ça, que l'autorité a présenté, dans grâce du pays, et qui commune, qui est plus touché, mais qui est plus dégâts la donne? Faut qu'on dise c'est caille, c'est que non, l'autre a passé son protection civile là, et bien, et Sylvie Guillaume, lui-même qui est responsable protection civile en dans le département sud-pays, et bien, il a mentionné ça, il dit que commune qui est plus touchée, c'est caille avec Camperin, et caille avec Camperin, Guémaniche tout, mais faut qu'on dise qu'il y a sous zone côte sud-pays, à tant que les Anglais, et les Anglais gagnent tout, également et Port-à-Piment, faut qu'on dise c'est des zones qui touchées, parce que Radio Méga est arrivé dans l'Isaïo et mon temps de Radio Méga pour me dire et t'es gagné plus de difficultés pour me communiquer avec nous, tellement t'es gagné monde qui a prélé surtout dans la zone Saïo pour dire que les gens qui ont même touché. Eh bien, en tout cas, Javanel Soliman, arrêtez toujours bousquer information pour nous pendant toute journée, hein, non, concernant passage, tremblement de terre si là, qui est ravagé, grand ce pays, précisément, au CAI, et pour nous capable d'informer auditoire Radio Méga. Merci en plus, Javanel Soliman. Merci en plus, nous avons été en contact pour nous capable d'informer et auditeurs, auditrices Radio Méga, nous n'avons pas manqué faire ça. Et voilà, c'était avec nous, Javanel Soliman, mais Kounia n'a toujours été au CAI, nous allons aller avec, envoyé spécial New York, ici, Alix Gauthier, et puis, Alex Gauthier, Jacques Cassagnol, nous pourrons regarder ça avec eux rapidement, eux-mêmes, Rivé, non,
et ville Okaï dans grand sud pays a qui constate que au fait mais pas oublier ça non mes amis pendant nous dans question et tremblement de terre qui saccagé grand sud pays en week-end non là samedi 14 non mais selon autorité non et autorité non UHM, unité hydrométéorologique pays d'Haïti, y a annoncé là, mais passage dépression tropicale grasse qui est Grayson, capable de dire en anglais, capable de dire Gasto, qui est à traversée partie et si et d'ouest Saint-Domingue, jeudi en là, et de